Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés de WatchOS 5 sur l'Apple Watch série 3. Alors, les nouveautés sont pas nombreuses. Celles qui viennent tout juste d'arriver sont vraiment excellentes. Pour quelles raisons? Aujourd'hui, on a donc le nouvel écran Siri sur l'Apple Watch qui s'améliore avec différentes fonctionnalités. On a plusieurs choses qui se rajoutent à l'écran de Siri. Le cadran Siri a donc été grandement amélioré. On a maintenant la possibilité de voir à l'instant T les battements de cœur en temps réel. Et on a la possibilité d'avoir les données cartographiques directement sur l'écran de Siri. Ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est accessible via le voice-over. On est donc sur un cadran qui s'améliore. Avec la dernière version, on va vraiment avoir un cadran Siri très performant. Dans les nouvelles fonctionnalités au niveau de l'application Activité, on a deux nouvelles fonctions qui ont été rajoutées. Ce sont donc les fonctions de la randonnée et du yoga. On va pouvoir maintenant avoir les différentes spécificités à partir de l'application Activité par rapport si vous faites une randonnée ou du yoga avec votre montre. La grande nouveauté, là aussi, on va avoir la possibilité, si vous n'avez par exemple pas votre iPhone sous la main, vous allez pouvoir répondre à un appel FaceTime à partir de votre Apple Watch. On aura la possibilité avec WatchOS 5 de cliquer sur des liens, comme si vous recevez des messages ou des mails, vous allez pouvoir cliquer sur des liens et naviguer sur le web si d'ailleurs le site il est bien sûr compatible à des petits écrans. On a la possibilité d'avoir walkie-talkie. Ça va vous donner la possibilité d'envoyer. Voilà donc à quoi ressemble walkie-talkie. Ça va vous permettre d'envoyer des messages vocaux entre vous. Ça va être vraiment super sympa et instantané. Ça, c'est vraiment génial. Je vous mets le logo en gros ici. Beaucoup d'améliorations dans cette version WatchOS 5 avec l'accessibilité, bien sûr, de VoiceOver avec toutes ces applications. On est donc actuellement sur la version bêta 2 WatchOS 5. Ça va encore s'améliorer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous suive les bêtas au fur et à mesure et que je vous tienne au courant sur ces fonctionnalités. La plus grosse nouveauté de WatchOS 5 est bien sûr que c'est fini. On ne parle plus en disant dit Siri. Voilà, ici elle vient de se déclencher. Mais on va simplement faire un geste du lever de poignet vers notre visage et on pourra poser la question à notre ami Siri et lui demander ce que l'on désire. Quelques exemples dans la suite de la vidéo. Voilà donc tout simplement si on lève le poignet, on va pouvoir instantanément parler à la montre sans dire le mot-clé, ce qui va être largement plus rapide, largement plus efficace et ça va permettre de gagner un temps fou. Par exemple, Quelle heure est-il? Les 15h06. vous faites le geste de lever vers vous et vous posez votre question. Météo demain à Paris. Des orages sont prévus à Paris demain, avec une maximale de 29 et une minimale de 18. Programme un rendez-vous mercredi prochain, démonstration braille. À quelle heure est votre rendez-vous? 9h. Comme vous pouvez voir, c'est super efficace. Il n'y a plus de mots-clés à dire. Vivement que l'on fasse ceci avec notre Google Home. Mais maintenant, avec notre Apple Watch, c'est fini. On n'a plus du tout, avec WatchOS 5, à dire le mot-clé. On lève un petit coup de poignet et on peut demander à Siri ce que l'on veut. C'est donc un petit geste du poignet vers le visage et vous posez la question. On peut même se servir du GPS. On peut lui demander d'ouvrir une application, par exemple telle que ouvrir l'application
cardiaque. C'est super efficace. Un petit coup de poignet, on pose la question, c'est terminé, on a ce qu'on désire. Ça, c'est vraiment super cool. On peut vraiment tout lui demander. Ouvrir l'application exercice. On peut, d'un simple geste, demander, paramétrer, programmer. Voilà, pour vous montrer une petite dernière, on peut aussi envoyer un message rapidement avec le petit lever de poignet. Souhaitez-vous dire? Salut, donc nous donnons rendez-vous tout à l'heure devant le restaurant. Merci, à plus tard. D'accord, j'envoie ceci. Voilà donc cette grosse nouveauté. L'essentiel de WatchOS 5, c'est que c'est fini. Le mot-clé dit Siri, on ne le fait plus, on ne le dit plus, on lève le poignet, on est tranquille. On peut tout simplement poser les questions que l'on désire et la montre effectuera ce qu'elle a à faire. Salut. Bon après-midi, Christophe. Voilà donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite nouveauté de WatchOS 5 vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, à liker comme d'habitude. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.